45 membres issus des organisations de la société civile participent à un atelier de renforcement de capacités basé sur la sensibilisation des acteurs politiques de la province du Kasaï. Cela pour une bonne cohabitation pacifique, c'est le gouverneur Gaston Collet Chimwanga qui a lancé l'ouverture de l'atelier qui est organisé en deux séries du 20 au 21 et du 23 au 24 janvier 2020 par le renforcement des médias en collaboration avec l'initiative citoyenne ici et l'Union congolaise des femmes de médias du Kasaï, UCOFEM. Le détail avec Félix Apelay. Dans le cadre de la cohabitation pacifique des communautés de la province du Kasaï, le gouvernement provincial du Kasaï, avec l'appui de la MONUSCO, a organisé des séries des ateliers basés sur la sensibilisation des acteurs politiques et des renforcements de capacités de professionnels de médias, qui est aussi organisé par la MONUSCO en collaboration avec l'ONG ICI et l'Union congolaise de femmes de médias, UCOFEM en sigle, dans la ville de Tchikapa, du 20 au 21 et du 23 au 24 janvier 2021. Pour ce lundi 20 janvier, c'est le vice-gouverneur Gaston Collet qui a lancé la toute première atelier de renforcement de capacité des 45 membres ici des organisations de la société civile organisées par la MONUSCO en partenariat avec l'initiative citoyenne et les structures de la société civile. À cette occasion, le vice-gouverneur Gaston Collet a appelé la société civile à jouer son rôle de maillon entre l'action du gouvernant et le quotidien du gouverné pour éviter les dérives qui risquent encore une fois de replonger la province du Kasaï dans les conflits intercommunautaires. De triste mémoire, Tchikapaville, Félix Apelay, Tshisekedi, Biwan.